Hop, est-ce que ça marche? Oui. Bonjour YouTube! Mais pas le son du jeu. Ah oh, putain, les coffres dans l'eau avec la pluie! Oh, quel enfer! Ah, j'avais oublié. Quel enfer! Bon. Au moins on sait. Ah oui, il a activé le minigun. Au moins on sait comment faire. Je vais vous montrer un peu le minigun quand même. C'est rigolo. Pas d'image. Ah merde. Ah oui. Trop bête. Vraiment que j'améliore mes trucs. Attendez. Ah, vous avez pas droit à ça d'habitude YouTube, hein? Problème technique. Je vous les épargne. Eh ben pas cette fois. Non. Merde. Pardon, hein, ça arrive. Ça arrive, je suis en train de faire la manip. Ne vous inquiétez pas. Hop. Hop. Voilà. Coucou, Teardown. Alors. Hop. Et voilà. C'est parfait. Rien à redire, no notes. Non, bien sûr. On va réduire cette monstruosité. C'est pratique ça d'avoir des coins dans le noir. Voilà. Un peu trop d'images maintenant. Too much information. Alors. Donc. Comme vous voyez, j'ai le Gatling gun, le minigun. On tire dans la porte. Hein. Merde! Ah, c'est munitions limitées du coup. Bon bah, c'est fini. En vrai, je vais retourner au menu tout de suite et le désactiver. Hop. Et je vais monter le son aussi, j'ai l'impression qu'on entend très peu le jeu. N'hésitez pas à me dire... Attendez, je vais tirer au shotgun et vous me direz. C'est comment? Trop fort, pas assez fort. D'ailleurs, il y a un autre truc qu'il faut que je fasse. Ouais, c'est bon. Ça va, c'était bien! Ok. Donc. Yes. Cette télé est indestructible, ça m'énerve. Donc. Torrent Sweepers, c'était ça? Ouais, c'est ça. What affaire? Donc, pour les gens qui n'étaient pas là, il y a des papiers. L'assurance, en gros, du gars, elle veut plus ou moins le lâcher, ne pas le payer. Et donc, faut récupérer les contrats d'assurance qui sont dans des coffres-forts. Et les coffres-forts, on va les noyer. Parce que ils sont pas waterproof. Mais du coup, il ne faut pas les mettre sous la pluie. Sinon, ça déclenche une alarme. Et comme d'habitude, c'est la merdasse quand il y a l'alarme. Donc on va déjà commencer par ça. Ça, je m'en souviens. Le reste, je vais devoir aller vérifier, mais... Ça, je me souviens, c'était une constante. Fallait qu'on aille là. Oui. Merci. Merci beaucoup. Hop. Globalement, ça va là-dedans. Voilà. Donc on va reculer à fond. Ok. Alors. Alors. On a un coffre ici. On va le préparer. Ça s'ouvre. Le fait qu'il répare la maison à chaque fois que je reviens. Je trouve ça un peu magique.
C'est beau quelque part. C'est ouvert. Donc les coffres-forts sont extrêmement lourds, hein, comme vous pouvez le constater. Il y en a un encore plus gros qu'on ne peut pas trimballer à la main. C'est un très badass. Écoute, c'est comme ça qu'on utilise une porte, non? Je vais tout de suite m'emparer de ce véhicule, le placer ici même. Ensuite, m'emparer de celui-ci. Hop là. On va monter, mais doucement. Doucement. Le but n'est pas de faire un vol plané. Le but est simplement d'atterrir paisiblement. Et d'être paré au démarrage. Voilà. Alors. Et Master Bedroom, il est là. Ah non, c'est Racing Garage. Racing Garage. Donc celui-là, on va le ramener. J'ai l'air de savoir ce que je fais, mais c'est vraiment parce que j'ai tryhard ce niveau-là la dernière fois et que j'en ai chié sa mère. C'est à côté. Comme Sarah Connor. C'est à côté. Alors, le voilà, le petit saligo. Allez, c'est parti pour l'escalier de merde. Un sup. J'ai réussi à pas péter l'escalier avec le coffre-fort, c'est déjà ça. C'est mieux que la dernière fois. Let's go. Let's go la cambriole. Boum. Allez. Écoutez, c'est plus simple que de prendre l'ascenseur avec. Hein. Voilà. Comme ça, il est déjà au bon étage. Hop. On va quand même prendre l'ascenseur. Merde. Bah non. Bête que je suis. Elle est une espèce de sale bête. Non! Non, tu as chu! Ce n'était pas l'effet escompté! Let's go! Allez, encore un étage! J'adore le shotgun, hein, sachez-le. C'est mon outil préféré. Donc. Ok, let's go. Alors évidemment, il s'est mal placé. Non seulement il est très efficace, mais en plus je l'ai bien amélioré pour. Ah mais je suis pas du tout aligné en fait. C'est pour ça que ça l'accroche pas.
Shotgun plus précis que la masse. De ouf. Voilà. Ok. Ben let's go. Donc on rappelle la dernière fois, le problème c'est que cet engin que je conduis s'est basculé. Et j'ai échoué. Mais là, let's go. Let's go, c'est parti. J'ai pas fait de sauvegarde, je m'en bats les couilles. Ok. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça va. La musique est très forte. Je vais pas y arriver. Oh putain. Let's go. Premier essai. Bravo à nous. Merci. Merci beaucoup. Je respirais pas. Alors. Oh ben. C'est en meilleur état, hein. Ah bah ça a ouvert, dit. Merci. Alors... Anton Wolf crée des opportunités. Ah, c'est une nouvelle map. Êtes-vous disponible pour un travail? J'ai parlé avec les gens d'Evertides à propos de remplacer le coin bouffe avec un nouveau parking. J'ai vraiment envie de ce taf, et si le coin bouffe disparaît, vous voyez, ça pourrait accélérer un peu le processus de décision. Alors je me suis dit, ce soir, pendant que tout le monde a les yeux rivés sur la parade de feux d'artifice de Lokela, qui est la ville où on habite, hein, je rappelle, ce serait une super opportunité pour faire quelque chose à propos de ce bâtiment. Covert Chaos. Les amis, je crois que... Ah, c'est la map, la première map, on avait pété la maison. Les amis, je crois que... on va tout casser. Le sale. Incroyable. Berge. On va tout péter. Ah oui, alors. Let's go tout casser. Quel est le job? Il y a un demolition sensor. Non mais c'est pas possible. Stand off during fireworks. Ok. Escape vehicle est là. Oh, il faut pas endommager le food court. Clean house. Deep clean, leak the plate. C'est flou. J'ai du mal à comprendre les objectifs précis, mais... Ok, donc en gros, faut démolir pendant les feux d'artifice, quoi.
Il faut rien démolir avant. Donc on va observer un peu. Bon, clairement on va foutre le feu genre là, sur cette façade là, paroi, le bar là peut-être. Puis bon, on va... Casse tout, pose des questions après moi je dis. En vrai oui, on pourrait tenter ça pour voir le temps qu'on a, quelles sont les difficultés, j'avoue, on va faire ça. On va tester d'abord. Prépare Carfoli. C'est parti, on a 2 minutes, putain. Ok. Bon, déjà on va utiliser des bombes. Merde, ça commence bien. Bon, au moins je sortirai facilement. Oula, c'est la merde. C'est pas facile du tout. Oh putain. Ok. Je m'attendais pas à ça. Ouh là là. Faire des grosses explosions avec ça. Ah oui, c'est les... Ok. Les bouteilles de gaz. Je le saurais si je m'étais bien préparé. J'ai mort. Ok. Là, la Gatling, elle serait de bon aloi. C'est parti. Quel raccourci je peux utiliser pour tout péter en vrai. Est-ce qu'il y a des véhicules éventuellement? Ouais, je devrais utiliser ça. Oh putain! Il y a ça? Un énorme camion de propane? Que j'ai mal utilisé? Oula, je suis coincé. Ok, bon, on va installer le camion de propane. C'est vrai que je pense pas à regarder les alentours. Il faut que j'explore un peu plus. Dans 2 followers, on est à 666, les amis. La classe. C'est ça que j'appelle la classe. Alors, bon, de là, on va sentir ce camtar là. D'accord. On va le préparer.
Beaucoup de 6, je suis d'accord. Beaucoup trop. Donc on va préparer le camion et on va rentrer dans le food court avec le camion. On va le foutre là. Comme ça, on aura un peu d'élan et on pourra bien rentrer dans ce mur-là. Là. Ensuite... Le camion 3 pommes, je vais l'installer à la fin. Ça, ça va nous servir aussi. J'aurais bien voulu garder le machin, mais bon. On va le foutre à côté, là. Pousse-toi, là, tu m'énerves. Tu me gênes. Voilà. Comme ça, on arrive par là. Dès qu'il y a un trou, on pourra l'utiliser. Si besoin. Ah ah! Nice. Deuxième au même endroit. On a un petit paquet de façon. Hop. Voilà. Ensuite, on va en foutre à l'étage. Je pense. Ah, j'aurais vraiment dû préparer des trucs, hein, au lieu d'y aller à l'improviste. Je pense que là, on fera plus de dégâts, déjà. Ce sera un peu plus... efficace. Celui-là, je vais le foutre... là-dessus. Parce que je vais mettre le camion de propane derrière. Et comme ça, je pourrais tirer dessus depuis genre là. Je tire dessus, comme ça, ça pète, ça défonce tout le mur. Oui, c'est vrai, il fallait voir comment ça fonctionnait, tout ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En vrai, c'était pas idiot non plus. Hein. Mais juste, je me rends compte que vraiment, il y avait beaucoup de trucs à faire. Beaucoup plus que ce que j'ai tenté. Mais c'est ok, hein. Alors... Ouais, on va mettre en haut. Donc je pense à utiliser les bombes artisanales aussi. Voilà. Parce que les bombes artisanales, elles peuvent servir de ouf. Failli lâcher. J'ai lâché, je l'ai rattrapé. Ça aurait failli péter. Si on va le mettre là, voilà. What else? Espresso. Donc le camion, et je me demande s'il y a d'autres trucs. On ira voir. On va bien caler le camion. Hop. Ouais.
J'aurais dû sauvegarder avant de manipuler le camion. C'est pas grave. C'est pas grave. Sauvegarder avant de perdre le camion, donc. J'ai pas abîmé le food court. Ça se traduit pas ça, food court. En vrai. Je me demande comment ils disent au Québec. Oh putain, y'a des tanks! Les amis, y'avait des tanks là. Pour la parade. What the fuck, en fait? Nice. Ah, incroyable, oui. Donc on va oublier le chariot élévateur, on peut utiliser un tank, les amis. Bien plus intéressant. Si j'aurais su... Ensuite... On va penser à sauvegarder, vous inquiétez pas. Maintenant. Comme ça... On y va tout doucement. Suffire. Du coup, je sais pas si je vais utiliser le camion pour le camion là-bas pour rentrer en fait. Si j'ai le tank. C'était nul à chier. Elles sont fragiles, les bonbonnes, de ouf. Très fragiles. D'autres. Rien. Bon. Laisse ça péter derrière moi. En même temps, je l'ai choqué assez fort sur la porte. À sa décharge. Appé. Oh, qu'est-ce qu'il y a par là? Waouh, rien du tout d'intéressant. Oh, ici on va faire un carnage à un moment, je pense. Let's go, c'est ma voiture à présent. Ma voiture. Ça marche. J'ai cru que j'allais mourir.
Let's go. Je me suis encore chié dessus. Une fois de plus. T'as vu comment je l'ai rattrapé au dernier moment? Il reste les deux qu'on va mettre en haut. Mais c'est un peu chaud. Mais j'aime bien, c'est déjà plus mon style là. Cambriolage, ça va bien 5 minutes. Hein. Du coup, mon titre est à nouveau raté, finalement. Puisque, en avant la cambriole, quick save, ça arrive, ça arrive. Attends, t'as raison. On en fait jamais trop. La préparation pour un résultat satisfaisant, ouais. C'est ça. Là au moins il va s'en péter quoi. Merde, j'ai fait ce côté. Hop là. Ok, je vais refaire un petit tour pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres options stylées. Mais je pense pas. Ouais, bon, des poubelles quoi. Il y a les tanks. Non, bah c'est good. Hein. Du coup, toi, tu vas te dégager. Tu ne nous seras d'aucun usage. Bye bye. Ah oui, ce tank est là. Je vais prendre l'autre aussi. Pourquoi est-ce... Oh, il tourne trop bien. Pourquoi se limiter à un tank quand on en a deux? Ça avance vite et ça tourne bien. Une merveille. J'adore les chenilles. Ok. Ça, c'est parti. On va tenter. Oula, oula. Oui, ok, j'ai plus de munitions déjà. C'est très limité. Ok. J'ai vu les échecs de mon plan. Je vais donc recommencer intelligemment. Et je vais combiner mon ancien plan avec le nouveau. Voilà. Oh, le trou que ça fait, c'est incroyable. Allez, je rame un peu.
C'est déjà un peu plus stylé quand même. Hein. Un peu plus abouti. Allez, l'objectif c'est de faire tomber la partie haute du bâtiment. Ok, on se casse. On se casse, on se casse. Let's go. Oh, il a pris cher quand même. Surtout au rez-de-chaussée, mais il a pris cher. Bon, les bonbons n'ont servi à rien au final. Ou presque. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus de cartouches dans les tanks. Gordon, ou full stop. Cette petite merde m'a encore frappé. Vous n'imaginez même pas le bordel dans lequel était ma maison quand je suis rentré. Ça va prendre des semaines pour nettoyer. La compagnie d'assurance ne répond même pas au téléphone. J'en ai plein le cul de lit. Il est temps de lui montrer. Il est temps de lui apprendre à ne pas. À ne pas s'en prendre au grand garçon. L'usine chimique est la vie et l'œuvre de la vie de Lee. Et je vais la mettre hors de tas de nuire. La centrale est le cœur de toute cette structure. Et je veux qu'elle disparaisse. C'est une grosse bestiole. Mais je veux vous procurer assez de puissance de feu pour défoncer le générateur principal pour de bon. Occupez-vous de tout de toute l'énergie auxiliaire dans l'usine. Et comme ça l'usine sera. Sera hors d'état de nuire pour un long, long moment. Pas très poli, monsieur Key. C'est un docteur, il a le droit. Ah putain, c'est... Toujours ce vieil endroit, là. Donnez des nouvelles maps, putain! Quand j'étais en... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bombe! C'est une EMP? C'est une bombe. J'ai pas suivi, faut tout casser. Il faut... Sabotager le générateur. Il faut placer une grosse bombe... près des turbines du barrage. Et la mettre... et faire la mise à feu. Switch gear stations and transformers. Ouais, faut péter.
Ok. Déjà, on va pas se faire chier avec la grosse bombe. On va poser, on va aller mettre en place la grosse bombe. Et ensuite, on va s'occuper du reste. On va voir un peu le reste. Le big boy, comme j'aime à l'appeler. Oula, oula, j'ai accroché le sol. On peut accrocher le sol avec le crochet. Ça risque pas d'exploser, on va voir. On va voir, je vais mettre en pause. Je vais mettre une quick save avant. Non, c'est toujours le sol. Yes. C'est bon. Alors, le truc bien, c'est que c'est facile d'accès. Une route à gauche, mais on n'y a pas accès. Oh là là, quel enfer. Ouais. Ok, bah écoutez. On va y aller doucement. C'est nulle part. Ouais, non. Pas le choix. Faut la prendre à la main. Non. Viens. La rampe me gêne. Plus de rampe, plus de problème. Allez, allez, allez. Marde. On va passer par là. J'espère que cette bombe n'a pas la même faiblesse que les coffres forts. De où? Oh putain. Tout va bien. Tout va bien. Oh, vous foutez de ma gueule. C'est escape. On va pas les couilles alors. C'est parti. Est-ce que par là, ce serait pas plus simple? Si, il y a un bateau. Il y a un fucking bateau. Let's go. Gagnons du temps, les amis. Gagnons du temps.
Stamps. La meuf, elle part de gagner 8 ans et après elle s'occupe de faire tomber un mirador. C'est bon. C'est bon pour vous. Allez. Mirador, c'est un mot espagnol qui se traduirait par le regardeur. Ouais, c'est la logique, hein. La logique, quoi. Ça me paraît logique, hein. En fait, hein. Alors, attendez, parce que là, il faut que je fasse une petite manœuvre en bateau, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, c'est un Pokémon, hein. Quoi, Mirador? Mirador, c'est un Pokémon? Je savais pas. Mirador. Ça passe bien l'espagnol avec cette voix. Mirador. Si. Claro que si. El hombre con el sombrero cuenta muchas historias interesantes. Soy feliz. Si. Il monte sur le putain de bateau, putain de bombe. J'ai une autre idée. J'ai une autre idée, en fait. Ok, ok. Allez, viens, bébou. Bébou. Allez, bébou. Allez, bébou. Allez, bébou. Bon. Je crois que c'est mort, en fait. Hein. On va aller la trimballer, quoi. Non, mais là, ça suffit, en fait. Putain, j'ai des outils, je peux casser les choses. Bon, moi, je peux pas casser les choses. C'est super génial, quoi. Alors, je suis censée faire quoi? La grosse bombe, là, que je trimballe. Je suis censée l'amener tout là-bas, là-bas. Ici. Bon, on va recommencer, en fait, hein. On va partir par là. Ce sera peut-être plus simple, hein. Viens. Allez, viens. On est bien, 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 bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. C'est génial, non? Donc, stop le zizi. J'ai une idée. Oui, oui, une idée originale de moi, oui. Merci, Kaltika. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Si je sais ce que j'aurais fait, j'aurais galéré comme la partie d'avant. En pire. Quand je dis que je suis bête, c'est que vraiment, j'aurais pu passer des heures là-dessus sans que ça me traverse l'esprit, en fait. Retrouver un meilleur chemin. Bof. Je suis pas sûre qu'il y en ait. Je crois que c'est vraiment fait pour qu'on fasse ça. Non, mais c'est ok, hein, je l'admets, je l'assume. Je suis un peu teubée, quoi. Un peu stupidasse.
comme avec cette putain de grue. Yas. Ah putain, ça y est. Là, tu vas voir, la bombe, elle va péter. Elle va taper un truc un peu fort, elle va péter. Non! Envie de Guillaume Canet, en fait. Bon. On va prendre la voie normale, quand même. J'ai déjà reçu des mails en même temps, là. Insupportable. Donc, maintenant qu'on a tiré des leçons de nos erreurs et qu'on a Keltika qui fait un backseat fort bienvenu dans le chat, on peut y aller. Encore merci. Ah non. Ah non, non, non. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? C'était ridicule. Viens voir, faut que je te montre. Je veux pas apparaître. En gros, j'ai cette grue là. Oui. Et en fait, je transportais ce gros machin. Mmh. Il s'est balancé, il a cassé la grue et elle est tombée. Et du coup, ben, je peux plus manipuler la grue. Ah. Bravo. Merci beaucoup. Je t'aime. Je t'aime. Tu vas dormir ? Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Je suis affligé par moi-même. Bon, allez, tant qu'à faire, on va tester. On peut même pas la péter. Génial, quoi. Bon. On essaie de finir ce niveau ou pas? On va quand même essayer de le réussir. Je transmettrai vos messages de bonne nuit demain matin. Il faut que je pense à pas trop lever la grue. Parce que c'est ça qui la déséquilibre en vrai. Bon, elle est solide, y'a pas de risque d'accident. C'est ça. C'est du bon matos, hein. C'est du matos allemand, hein. C'est. Ça casse pas pour rien, tu vois. Allez. On y croit. J'ai peur, elle se balance beaucoup. De toute façon, la grue, on n'en aura plus besoin après. Yes, let's go. Oh non. Oh non. Vas-y. Si j'avais pu la mettre dans un autre sens, j'aurais pu accélérer comme une malade. Ah, j'y ai pensé. J'y ai pensé toute seule.
Donc. Non! Non! Putain, j'y étais presque, j'ai pas fait gaffe à la pointe. Non. J'ai même pas commencé à arriver. Pourquoi je me fais chier? Hop là. On n'a pas le time. Le boulet de démolition, quoi. Oh putain. Mais non. Et c'est pas possible. Attendez, attendez, j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. Ok. Je vais y arriver. On va tenter un truc qui n'a pas marché la dernière fois, mais peut-être cette fois ça va marcher. On sait pas. Allez. Allez. On y croit, il y a une voiture ici, il y a un camion même. On va commencer avec la bagnole. Hein. Deux camions. Allez. Allez, let's go. Ouais, je suis de... Ouf, en vrai, ouais, je vais tenter de... Tant pis, je tente à pied, hein. J'avoue. Ça va être long et chiant, mais au moins... Je suis du bon côté, j'espère juste que j'aurai accès aux passerelles. Là, je pense pas pouvoir mettre la bombe. De toute façon, la bagnole, je l'ai coincée, donc... Let's go. C'est vrai que Zoé répond let's go à peu près tout. Et du coup, ben, moi aussi maintenant. Parce que la contagion sociale. Parce que c'est un vrai truc, c'est pas juste une rhétorique pour les transphobes. Ça existe pour de vrai, la contagion sociale. C'est
C'est notamment comme ça que naissent les tics de langage. Putain. Et j'ai eu chaud au cul. Hein. Allez, allez, allez. On y est presque, on y est presque. Non, tu vas pas me faire chier sur un pauvre petit escalier, là. Sur trois petites marches. Sérieusement? Sérieusement? Quick save maintenant. Je voulais pas quick save avant ces marches à la con. Non mais. C'est un sketch, c'est pas possible. C'est la bombe la moins pratique que j'ai vue de ma vie. Et j'en ai vu des bombes, non. Mais viens. Ça a permis d'être relou comme ça. Ah putain, il y a encore des marches. Je vais péter mon crâne. Et vous savez quoi? Quand j'aurai posé la bombe, il y aura encore plein de trucs à faire. Ouais, c'est ça, je l'ai planté dans le pont. Attends. Ah ah! Ok, elle est en place, on va pas la détonate maintenant. On quick save. Hello Mano 9, bienvenue. Ok, ensuite, on va préparer l'escape tout de suite. Clairement, on va finir par là, je pense. Quelque chose, j'ai une fusil à pompe, c'est ça. Et en même temps... En même temps, non, c'est idiot de finir par là alors que... Le truc se trouve ici et là. En plus, il y a des senseurs d'explosion, je crois. Je vais tenter de faire péter un truc. Ok. Donc, on va établir notre route. On fait péter ça, on se tourne, on court, on saute là. Ça le fait. On court, tac, 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 tac. Hop, hop, on active. Non, on active pas par là. Je recommence. Bon, je vais pas remonter tout en haut, hein, on s'est compris, mais... J'arrive là. Tac, 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 on tourne. Hop. Hop. Ça, ça gêne. Hop, on active, on repart. Tac, 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 tac.
Ensuite, je commence par celui-là ou celui-là, peut-être celui-là d'abord. Hop. Tu t'en vas du chemin. Donc j'arrive en courant d'ici. Toi aussi tu te casses. Tac tac tac. Est-ce que je peux le faire péter au fusil ? Yes. Donc on arrive, bim, on le fait péter et on continue direct. Hop, on tourne là. Hop, hop, hop. De risque. Donc, on arrive. Bam ! On en colle une là. Et ensuite, bim bim bim, on fonce à la bagnole. Ok. Bon, mes petits amis, on va la tenter, hein. Non, on va tout faire péter. Exactement. Faites-moi rentrer. Vous êtes prêts? C'est parti. J'ai mis trois plombes à sauter. Go. Ça va être Tandax, je pense. C'était ma dernière balle. Let's go. J'ai eu un peu peur pour la dernière. Je suis déçu du coup qu'on n'ait pas le temps de voir cette explosion là. Ah, j'aurais grave pu passer par là en fait.
c'était plus direct. Bon, quoique, ça change pas grand chose. Et là, j'arrive avec le bon angle. Pas dégueu. C'était difficile à mettre en place, mais j'aime bien le résultat. Yes, nouvel outil. Skidmaster. Ah. Oula. Bah super. Ouais, nique sa mère. Yes. Bonk. Putain, il est épais ce mur. Câble. Ok. Je sais pas si ça me servira, mais ok. Attendez, non, on va commencer par Gillian Johnson. Alors, je dois dire que je suis très heureuse de notre collaboration fructueuse. Ouais, c'est ça, raccrocher les trucs à un véhicule. J'aimerais vous suggérer qu'on approfondisse notre relation avec quelque chose que nous appellerons motivational reminders, des rappeleurs de motivation, des souvenirs motivants. C'est une technique de marketing qu'on utilise parfois pour les clients, clients clés. J'ai récemment eu une rencontre avec monsieur Amanatides à propos de la police d'assurance pour Blue Tide Incorporated. Il hésite à inclure ses cuves de propane dans la police d'assurance. Et je pense que un rappel amical de pourquoi c'est une bonne idée, ce serait une bonne idée pourrait le porter vers la bonne direction. Startup Nation. Mais c'est ça, genre il y a des expressions qui se traduisent pas parce que c'est des expressions de marketeur en fait. C'est pour ça qu'il les dit en anglais. Comme je ne m'occupe plus du compte de Gordon. Une upsell. Une vente au prix cher à Monsieur Manatide serait plutôt cool pour mon bonus. Bien sûr, je ferai en sorte que vous soyez correctement compensé, que vous ayez toutes vos dépenses soient couvertes. Ah, c'est une side mission. Le jeu est plus long que ce que je croyais. Hein. Finalement, on casse quoi? Eh ben, je crois qu'on va faire péter des cuves de propane. Ouais, c'est ça, faut les détruire.
Your Propensions. On va commencer par celui-là, hein, clairement. Plus de destruction en un seul live que tous les autres réunis, je suis d'accord. En plus, là, on fait péter des cuves de carburant, quoi. C'est... C'est un peu plus satisfaisant. C'est des grosses explosions. Ok, donc notre première cible, c'est ici. Ok. La voilà. Et pour le seul live, dans le titre, on dit qu'on va rien détruire. Ouais. C'est ma malédiction. Je vais vous laisser, je me lève très tôt demain. Bonne continuation de stream et bisous à tous et bonne nuit. Bonne nuit à toi, merci d'être venu, merci d'être resté longtemps. Et bon courage pour demain matin, on se voit mercredi. Normalement, on pourra jouer à Batman. Bisous. À très vite. Donc... Je vais près de la porte. Je prends mon pistolet. Pan. Je me casse. Ensuite, le suivant, c'est là-dedans. Deuxième étage. Est-ce que je gagnerai pas du temps à rentrer par là? S'il n'y a pas de porte, fabrique une porte. Désolé le feu, tu m'amuses beaucoup, mais je dois t'éteindre. Deuxième étage. Hop. Hop là, il est là. Voilà. Donc j'arrive à l'étage. Pan avec le pistolet. Ensuite. Et ben ensuite. Donc pan. On repart par là. Hop, on saute. Alors, toi tu nous pètes les burnes, donc tu dégages. Beaucoup de trucs à faire. Ouais, il y a 4 cuves à faire péter. On arrive là. Clac. Où est-ce qu'elle est? Ok, on va la rendre accessible. Elle est où?
Putain. Elle est pas chiante, hein. Merde. Ça ne m'arrange pas du tout, en fait. Ok, je crois que je sais. Donc, au lieu de monter. En arrivant là. Bon. On continue là. Hop, hop. On arrive. Et allez, allez. On l'a passé. Elle est là-dedans. Elle nous casse les couilles. On tire en passant, bim bim. Est-ce qu'on peut sortir par là au tout hasard? Super. Hop là. Ensuite. Ah non, du coup. Là, on passe par là. Tac 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 tac. Ah mais non. Ah, il est derrière le mur. Wesh, ça a rien fait. Ah, là, ça fait. Oh, comment elle était bien planquée. Donc, on la nique en sortant. Et ensuite, tu dois monter tout en haut. Quel merdier! Attendez, parce que là il y a un accès. Imaginons je passe par là plutôt, en arrivant comme ça. Hop. Je passe là. Bim, je repars. Bim. Et je sais pas comment monter là.
Comment je monte efficacement? Je passe par là. Hop. Est-ce qu'il y a un escalier quelque part? Je suis sûr que non. Il y en a un, putain. Ah. Oh, je pense que les caisses dans la grotte ça va aller. Tu vois, ça baisse encore. Elle est stylée cette maison. Putain. Ok, donc d'ici je boum. Je saute vers ma mort. Non. Non. Tu vois, il n'y a plus de feu déjà. Attends, attends, attends. Et je vais habiter dans cette baraque, hein. On fait boum, on repart. On saute. Hop. Hop. Pan. Et on rentre à la maison. Hop. Bah, on va tenter, hein. On va tenter. J'y crois moyen, hein. C'est très long. Mais bon. Plus on va... Putain, j'ai fait quick load. Non. Non. Insupportable. Ah, du coup, j'ai pas du tout fait les chemins en bas. Putain de merde. Ah ouais, mais les incendies comptent pas, c'est... Il y a des senseurs d'explosion. Dès qu'on fait péter un réservoir, ça déclenche l'alarme tout de suite. Les incendies, c'est secondaire. Donc, on va refaire nos chemins parce que... Fait chier. Ouais, il y a les deux, ouais. Ah, ça serait trop facile. Donc hop.
En fait, ça va être très difficile de faire le combo de ces deux-là et aussi de celle-là. Genre, c'est soit ces deux-là, soit celle-là, mais je vais avoir du mal à enchaîner, à toutes les enchaîner. Je pense. Je pense que celle-là, faut que ce soit la dernière. Quoique celle-là, ça peut l'être aussi. Après, on est là, on saute dans le bateau directement. Je fais ça... Est-ce que je peux remonter rapidement? Bouf. Non, mais je vais tenter comme j'avais prévu avant. Ouais, il faut toutes les faire. Ça, c'est que les obligatoires. Les optionnels, je les ai pas mises. Les optionnels, je les fais jamais parce que j'ai pas le temps. Mon esprit mis ailleurs. Boum. Hop, 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 hop. Boum. Boum. Pan. Hop là. Et une fois dehors, lequel il faut que j'attaque? Pan. Et en même temps, je passe par là, j'aurais plus vite à gagner. J'irai plus vite en allant à celui-là, en fait, je pense. Ouais. Attendez. Je remonte. Un sup. Super. Génial. Ça m'a bien avancé, ça. On va aussi faire péter ça. Dans les outils, il y a des planches. Ah, mais je sais pas s'ils me serviront. Ah, ça me serviront. Donc, attends. Attends, attends. Donc là, je descends par là-haut. J'arrive là, bim. Mon but, c'est d'aller par là. Hop. Hop. Je rentre par là, hop, boum, ensuite je passe, tac, tac, dégage toi. Oh putain. On peut passer tranquille là? Oh. Hop, hop. Tac, 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 tac. Pan. Ah, ça ira plus vite. Et hop, ok. Bon, c'est déjà vachement plus... plus faisable. Faut juste pas que j'oublie, quand je rentre dans le manoir, faut que je tourne tout de suite à gauche ou à droite. Parce que les escaliers sont dès l'entrée. Ouais, je sais pas si la grue, on peut courir dessus. Je crois que j'avais essayé une fois et ça marchait pas. Quick save. Ok. On va faire une tentative, on va voir ce qui va pas. Peut-être on y arrive. C'est parti. On n'oublie pas ici, on tourne, on tire et on sort. Hop. Ensuite, la grosse baraque, le manoir. Ça va être le tir le plus difficile. Non, laisse-moi passer! Laisse-moi passer!
5 dixièmes. Merci beaucoup. En vrai, genre, c'est super satisfaisant hein, quand il arrive. C'est chiant parce que tu dois te dépêcher et tout, mais c'est tellement satisfaisant d'y arriver. Ça, c'est frustrant aussi de passer. T'es en haut, t'es au manoir, tu sais qu'en dessous il y a ton bateau pour partir. Et non, tu dois quand même faire un gros détour pour celle-là. Là, je me suis chié dessus aussi. J'ai loupé la balle. Bon. Mes chers amis, je vais mettre un terme à ce stream. Tout simplement parce que je suis très fatigué, qu'il est 22h50. J'arrête à 23 ans en général. On fait de moins en moins de missions, tellement elles sont de plus en plus dures. Ce serait quand même beaucoup plus simple si les bombes avaient des détonateurs. Écoute, on est bien d'accord. Après, genre, on est un blue-collar worker. On n'a pas forcément les moyens pour ça. On est dans l'artisanal, là, hein, globalement. Mais je suis d'accord, ce serait plus simple. Voilà. Allez, salut YouTube.